Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Witchfire pour vous faire un petit gameplay. Alors je l'avais déjà fait en début de sortie, je vous avais déjà fait un petit gameplay mais j'ai l'impression que c'était vachement difficile parce que les mobs nous focus et les dégâts qu'on subit c'est vraiment important. Là je vais juste vous montrer ce que j'ai amélioré, donc vitalité, la santé, l'endurance, l'énergie donc de la bague, donc magique. Ça c'est les bonus qu'on récupère, c'est la ressource du jeu. Witchfire c'est magique en tout cas. Et Lock c'est la chance, mais pour l'instant il n'est pas déverrouillable. Là c'est tout ce qu'elle recherche, c'est toutes les recherches qu'on peut faire dans le jeu. Alors il y a des trucs je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est deuxième incantation, troisième incantation. Ça, c'est, je pense tout ce qui est magique. Ça c'est pour le petit cube, là c'est pour améliorer la recherche. Parce qu'il y a marqué recherche speed up recherche, donc toutes les recherches. Là j'ai mis le sniper en recherche et le fusil à pompe, il me semble que c'est ça. Le reste, j'ai amélioré aussi quelques armes, donc vous allez voir que celui-ci il est un petit peu amélioré, donc c'est l'arme du jeu de base. Ensuite on a celui-ci, petite mitraillette, franchement c'est vraiment cool. Par contre j'ai une arbalète, mais il y a marqué no ammo, et je sais pas du tout comment on l'utilise, je pense pas que c'est possible. Et j'ai pas les ressources pour, alors je pense que je vais... non c'est pas ici. Je pense que je vais l'enlever en attendant. Parce que j'ai débloqué l'arbalète, mais je sais pas comment elle fonctionne. Je vais l'enlever, je pense, on verra plus tard. Faudrait que j'attende que la recherche elle se fasse. Par contre, j'ai cette cloche là, donc c'est une cloche. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est pour attirer les ennemis ici. Je pense que c'est ça, j'en sais rien, je veux pas dire non plus de bêtises. J'ai une bague. À droite là qui je sais pas exactement ce que ça fait puisque c'est en anglais. Boom, tat, damage. Bon, apparemment ça améliore les dommages, c'est peut-être ça. Je vais prendre les deux armes là et je vais faire une quête. Bah, une quête complète parce que je vais essayer de tous les tuer les ennemis. Alors, il me semble que comme j'avais battu le boss juste avant, c'est bizarre qu'on puisse pas... En fait j'ai joué juste avant, j'ai fait une vidéo et j'ai fait une vidéo de 40 minutes mais je sentais que c'était... Je vais pas la sortir parce que j'ai fait des trucs dedans pas top, du coup je préfère en refaire une. En plus je vous le dis d'avance, j'ai changé de micro, du coup vous allez peut-être m'entendre. Avec une autre voix, c'est plus la même voix que d'habitude. Ah, il y a quelqu'un là-haut. Pensez à faire clic droit pour zoomer. Sinon, je pense pas du tout. Ouf, ça tremble. Ouf, c'est quoi ça? Alors vous inquiétez pas, si je les tue en une balle, c'est parce que j'ai un petit cheat qui permet de faire un kill, une balle, un kill, donc ça c'est vraiment cool. Et boum. J'ai juste, alors le truc c'est que je cheat actuellement pour ce jeu là, parce que sans, c'est vraiment difficile. C'est vraiment trop difficile, j'ai déjà fait un gameplay à la sortie du jeu et c'était vraiment chaud. Là, je préfère mettre toutes mes chances de mon côté pour être sûr de pas trop stresser. Du coup j'ai juste la santé, j'ai full balle illimitée, pas de rechargement. Par contre j'ai pas mis genre... j'ai mis que 3 ou 4 trucs, j'en ai pas mis 3 non plus. Genre j'ai pas mis santé. C'est quoi ça? Merde. C'est lourd ça.
C'est quoi ça? Ah, cassez-vous là, les trucs. Ah, c'est des nouveaux mobs là, les mobs morbides, mais c'est vraiment dégueulasse. Genre des petites boules là avec du pu. Alors j'ai juste un caillou là. Je sais pas ce que c'est. Oh putain, mais c'est un spawner, c'est pas possible. Comment ça se fait quand je tire dessus ça fait un truc. Ça va être un spawner à un truc, un mob. Il me semble que j'ai vu un coffre juste avant. Bon, ici. Ok, il est pas ouvert en plus. Raven Feather, je pense que c'est. Alors. Le coffre là, il est déjà ouvert. Ça, du coup, on va se rendre ici. On a quoi dans le coin? On a quoi? On a ça, on va faire ça à côté. Il me semble que c'est par là. Oh! Ils m'ont vu direct, easy. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, l'arme là, j'aime bien parce que les... en principe, quand je sans cheat. Peut-être pas une balle à mort, mais presque. Elle a vachement de la précision, elle est vraiment énorme. La précision est pas mal et ça, franchement, ça percute bien. La précision de cette arme là, elle est vraiment ouf. Même si si je fais pas clic droit, donc si je vise pas. En principe, ça fonctionne très bien. Alors, ça fonctionne encore mieux, donc c'est vraiment cool. C'est tout, on a pas eu le boss là. Ils viennent au compte-gouttes là, c'est vraiment de la merde ça. Hein, c'est quoi ça? Collecte. Bon, toi. T'as la. Tout de suite, je les focus. Ah, un autre là-haut. Ah, voilà. Enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des déverrouillables. Double light. Ah, ça peut être bien ça. Même si j'utilise jamais, on va l'utiliser. En fait, j'ai un pouvoir. Je sais pas à quoi il sert. Je vais le mettre. Faut juste que je pense à le mettre. J'ai fait une vidéo juste avant, j'ai vraiment pas pensé à le mettre. Ça c'est les trucs qu'on avait, le truc morbide là. Créature morbide. Battlefield. Punish. Disrespect the dead. On va pas aller au boss directement. On va aller. Alors le problème sur cette carte là, on peut pas lui mettre 2 points, c'est vraiment con. Parce que genre on pourrait mettre 1 point et puis savoir où est-ce qu'on va. Et en fait on peut pas en mettre, c'est vraiment la merde. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont spawn là alors que je fais le... Wow. Il y en a partout là. Quand le shit aurait été chaud, je pense là. Bah, pourquoi ils ont spawn là eux? J'ai tout fait ici. C'est bizarre. Et le truc qui se passe en vidéo. C'est quoi? C'est quoi le rouge? Il y aura certainement des gens ici. Non, ça c'est le coffre que j'ai déjà fait. Donc là il y a marqué c'est un objet. Donc il y a un objet à ma gauche. Bon, là j'ai été du coup. À ma droite. Ce serait quoi? Ce serait la petite maison là.
Ah, il y a des toiles. Il n'y a pas de toile avant. Ok, c'est ici. Hein. Ça veut dire les toiles là qu'il y a. Donc plus tard, ils vont nous mettre des. Je sens que plus tard, ils vont nous mettre des araignées dedans. J'en sais rien, j'étais peut-être des bêtises, hein, mais ça pourrait être bien. Par contre, là, on a encore notre truc, là, notre spawn de... Oh, dégueulasse, ça. Je sais pas si au bout d'un moment, le... Je sais pas, on a ça, mais... J'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose. C'est outre. Je pense qu'il n'y avait rien d'intéressant ici. On va regarder. Alors pas ici. C'est par là. Hein. On va faire le tour. C'est quoi ça? Alors j'espère juste que je vais réussir toutes les missions que j'aurai à faire. Waouh. Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? What? Comment ça se fait qu'il y a ça? Aussi. Je peux pas passer? Je suis coincé là? Avec lui là? C'est quoi ça? Ok, un genre de mine. Alors, à moins qu'on puisse pas passer ici. Elle a marqué quoi? Protective de vis. C'est un garde. On peut pas passer par là, c'est complètement con. On va faire le tour. Hein. Ça, Ricard, je me suis jamais. Penché sur la question. Genre on a des petites icônes là, je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir ça. Ah, si je peux pas passer là, c'est pas grave, je vais faire le tour. Je vais juste qu'il bouge pas le bestiau. À moins que c'est un garde pour pas y aller du coup. C'est complètement con. C'est peut-être un endroit qui est pas accessible et du coup on peut pas y aller. Ah bah c'est peut-être ça du coup, ça c'est l'endroit de spawn. Et le mob il est où? Il est là je crois. C'est par là, hein. Tant pis, on va sauter là. Hein. Sauter... Hop, oh bah comme ça, j'ai été sans problème. Ouais, il est où lui? C'est bizarre. J'ai jamais vu lui là, à la base. On aura des mobs là-haut normalement. J'ai pensé à faire mon F. Enfin à quoi il sert. Il y en a là-haut. Je sais pas si je peux l'utiliser directement là. Ah non, c'est juste là en fait. J'essaie de les attirer parce que j'ai pas l'impression qu'ils viennent. Allez viens toi. Elle essaie de m'avoir à distance. Je sais pas à quoi elle sert cette cloche. Bon alors. Compte cette arme. Ça m'a fait peur. Oh
Oh, ça tremble. Wow. Oh, comme ça. On fait atomiser avec la bombe qui était à côté d'eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Dead is. Bah, c'est fou, hein. Alors, faites attention quand vous jouez au jeu là. Vous avez des plumes. Et genre, si vous faites. Si vous, par exemple, vous êtes au troisième choix et vous voulez faire par exemple hit boost pour améliorer votre, votre boost en santé, ça vous prendra des plumes. Donc faites attention à ça. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Putain, les flammes qu'il y a eu ici. Comment ça se fait que tout tremble? Oh non, pas ça. Vous entendez le bruit qu'il y a là? C'est Sanity, il va apparaître et puis il va falloir focus les mobs qui vont arriver. Et genre de. De squelettes là, je vais les attendre. J'ai un bon spot ici, en plus c'est cool. Je sais pas s'ils vont arriver par derrière. Sans vous allez voir dans le ciel là, ça va arriver. La petite tornade là, c'est eux en fait. Putain, on voit rien du tout. Ça arrive. Par derrière, non. Alors j'ai un bon spot là, il peut pas venir par en bas, il peut venir que par là. Ah, il faut mal, c'est con. Je vais attendre qu'il vienne vers là pour voir comment ils sont. Oh, c'est genre de squelette. Hein. Je vais essayer de faire mon F avec eux pour voir si ça fait quelque chose. Je vais attendre qu'ils viennent là. Ah, le F, je peux pas le faire parce que j'ai pas encore le total de ressources. Et à gauche, il est en train de venir tout doucement. En fait, c'est en tuant les mobs. Voilà. Il y a l'amitié des faits et ça va partir. Regardez comme ça si ça va. Si ça part ou pas à un moment donné. Si c'est interactif ou pas. Le principe c'est que ça va partir comme ça d'un coup. Ouais. Ah, il n'y en a plus. En soi, si la calamité revient, il faudrait que j'aille sur place. Que vous voyez vraiment ce que c'est. C'est en vrai c'est vraiment cool de voir ça. Toi t'étais en train de marcher, je t'ai tiré dessus. De toute façon ils vont revenir. Hein. Le principe c'est tous les. Derrière tous les 10 minutes peut-être que ça spawn. Et comme quoi la précision elle est énorme. Chaque fois que je tire, la plupart du temps. Il y a une balle, c'est fini. Oh wow wow, c'est pas ce quoi là. Allez-vous. Hein. Oh, je prends des dégâts. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à déverrouiller là? C'est pour courir plus vite du coup. Régénérating et une freeze. Bon, on va prendre ça même si je sais pas trop ce que c'est. Pas trop ce que c'est du coup je récupère. Alors la carte. J'ai. Donc ça c'est des munitions. Les boules là c'est les munitions. Là il y a un ennemi. Enfin un ennemi, il y aura des mobs à tuer. En plein dedans là. Ah bah oui c'est bon. Ils m'ont vu. Il y a tout qui tremble.
même si je suis full cheat, j'essaie de pas perdre non plus focus par les tirs ennemis, hein, j'essaie de les éviter. Il est mort. Ça a été vite. Pour cette game là, ça a été vachement vite. Alors là du coup, fast rollage, je vais pas l'utiliser. En soi, je vais prendre ça. Hein. Drop chance, c'est-à-dire que ça drop. Il y a plus d'objets qui drop, c'est peut-être ça. Donc ça c'est cool, j'aurais dû l'utiliser bien avant. Voilà, comme on a la moitié donc ça va, c'est cool. Ensuite, on a quoi d'autre? On a un boss là. C'est quoi ça? Sentinelle. Entité floating in the... Ah bah c'est peut-être le truc qu'on a eu tout à l'heure, comme ça. En fait j'ai l'impression que depuis les mises à jour qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu... Il y a d'autres mobs, il y a d'autres boss qui arrivent au fur et à mesure. Bon c'est cool hein, en même temps ça change. Ça change de gameplay, c'est pas toujours pareil. Là du coup on peut passer là. Bizarre leur truc là. Oh, on va. What? Oh comment c'est bizarre d'être ici. Alors de... Ok bon je reviens là, lol. Je sais pas qu'il y avait une direction ici. Trop bizarre d'être ici. Je crois qu'il y a un monstre qui va venir. Oh, tiens. Oh. Oh c'est chiant ça. Notre monde. Oh c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs? Et j'ai l'impression que des nouveaux mobs au fur et à mesure. Putain. La première fois que je découvre ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi qu'il y a là-haut? Une nouvelle clé, j'espère, j'en ai déjà plein. Elle est bizarre cette forêt là. Elle est toute sombre, il y a plein de brouillard. De merde, j'aurais vu. Et cassez-vous là. C'est bon? C'est fini? Oh, mais ta mère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Firepower. Ça frozen, c'est pas froid, ça paralyse les cibles. Et là ça booste de mon damage, on s'en fout un peu parce qu'on est limité là-dessus. Du coup là on va juste se renseigner sur place. On va mettre on va aller check ici le sentinelle, on va aller faire un tour. Là on a un boss. Et là on a un coffre. On va aller check le coffre, je pense le plus proche. Donc c'est à gauche, là-bas, à droite, maintenant. Ça va être par là-bas. Faut que je fasse le tour. Ce serait par là du coup. Non, faut que je fasse le tour. Faut que je fasse le tour de ça. C'est quoi ça? Un coffre déjà. Il y a deux coffres. On est un là et un ici. Wow. Oh non. Oh the fuck. C'est trop... Franchement c'est trop bien foutu. Bah tu peux le tuer mais franchement il est bon. Hein. Il est magnifique ce truc. Et boum. Franchement c'est trop cool de faire des trucs comme ça. Je crois dans V-Rising. Et que des mobs un peu bizarres. Par contre, V-Rising, je souhaite faire un truc.
Et donc là, déjà on a le portail qui est ici, le coffre est dans le coin. Ah voilà. Alors du coup, Virizing, je vais te faire un truc. Je vais te faire un serveur à moi. Et que si vous voulez rejoindre dans le serveur, vous pouvez, il n'y aura pas de problème. Par contre, je ferai raid uniquement le week-end ou enfin suivant les jours où je serai là ou pas, on verra. De toute façon, s'il y a des gens qui sont des fauteurs de troubles, je pense que je tâcherai de les kick, mais ouais, c'est juste une manière de jouer un peu entre nous, discuter entre nous, et puis voilà, je pense que ce serait bien de faire ça. Du coup, on va faire le coffre là. Bon, le coffre là, vous voyez, il est scellé. Il est scellé pour l'instant. Tant que je ne signe pas le pacte avec ce coffre là, il ne s'ouvrira pas. Donc là, j'ai signé le pacte avec lui et maintenant il y a des mobs. J'ai perdu mon health. Ça fait rien ça. Non, je vais pas aller dans le portail. Ça fait rien. Ouais, je me renseigne plus à ce sujet parce que j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose. Ça fait mal cette merde. Rituel complète. Bon, cool. Que c'est un rituel que j'ai fait. Oh, le coffre. Le coffre, il est où? Il est là. Oh, c'est quoi ça? Une potion. Collecte. Collecte démoniaque. Alors, j'ai l'impression que on a des munitions un peu plus puissantes, je pense. Standard démoniaque, je pense. Le mieux, c'est d'avoir cela. Je suis déjà à 47 000. Ça, je vais consommer. Ça sert à rien. Large weight. 1000. Ok, ça coûte 1000, cette merde. Là, vous avez vu, j'ai 10 clés. Pour l'instant, j'ai full. Alors, du coup. Oh non, le revoilà, lui. Je peux pas aller par là. Moi, je me renseigne plus c'est quoi ces trucs qu'on a là. Là du coup il y a un artefact. Je vais aller checker un coup. J'ai même pas vu ce... Si ça je pouvais pas l'utiliser puisque j'étais full. Du coup c'était où? À ma gauche, à côté du portail du coup. Il est où? Non, j'en retrouve pas dans le portail. Il est dans le portail du coup. Oui, en dessous. Bah, il est où ce truc? J'ai l'impression qu'il est... Il est dans le portail, mais bon, j'ai pas envie non plus de terminer tout de suite. Pour l'instant, on a notre boss à faire. Le sentinelle, c'était ça que je voulais faire tout à l'heure. J'allais voir ce que c'est. Truc sentinelle là. C'est ici. Est-ce que je le vois? Ah, c'est pas le truc là. Si ça va être ça. Ah, c'est quoi ça? Ah, oh, c'est quoi ça? Attendez, je vais aller voir le plus proche parce que je vois rien. Avec mes yeux... Wow, c'est beau. Enfin, c'est énorme. Putain. C'est ouf qu'il fait des trucs comme ça. D'accord. Je sais pas ce que j'ai déverrouillé. Alors, ensuite, on va se rendre... Oh, il est rouge.
J'ai l'impression que quand il est rouge, est-ce que il est fait ou... Je sais pas. Derrière un coffre à gauche. Je l'ai vu. Du coup, il est toujours là, le coffre. Il est où? Je l'ai vu. Ah oui, on va encore signer avec le truc là. On attend qu'ils viennent. Non, pas ça. Ça, faut que je le tue. À chaque fois, ça fait ça. C'est ta mère là! Passer outre. De toute façon, le coffre, on s'en fout. On est déjà full. Du coup, là, il n'y a plus de boss. Il faut qu'on aille à la fin. Donc, au-delà, on se rend sur place. Il me semble que c'est par là. Ouais, c'est par là. Alors, ça me fait des trucs tout autour de moi. C'est vraiment bizarre. Comme si j'allais glacer sur place. Ah, il y a le lieu rouge là, donc c'est à dire que c'est bientôt là. Donc là, il me semble que il y a le boss. Alors, je vais pas faire la même bêtise comme je suis en. Tout à l'heure, j'en ai fait une. Le problème, c'est que comme je pouvais pas vraiment savoir. Puisque le boss, je voulais attendre qu'il me tire dessus. Et quand j'ai tiré, ça. Ah, c'est quoi là-haut? C'est bien. Quand j'ai tiré, en fait, c'est comme je le one shot, et bah ça. Je voulais attendre qu'il me tire dessus pour voir ce que ça fait. Et en fait, j'ai pas pu voir tout de suite. Checker juste l'endroit là pour récupérer des Witchfire, l'énergie. Normalement, il m'amène à, il va m'amener un truc. Et putain, je suis tellement loin là. Le voilà. Risk small, bonjour. Prends ça parce que ça m'intéresse pas. J'ai deux lettres. Ça me fait 50 000 de kills. De points, en tout cas. Du coup, on va se retrouver ici. On va aller voir le boss. Boss, il est fait. Oh, c'est pas ça que je voulais. Bah, ça m'a ouvert la carte et je pouvais rien faire. C'est mon con. Manque, ça m'ouvre la carte. J'aurais pu aller dans. Ah oui, j'aurais pu aller là. Est-ce que je peux le prendre? Je pense pas. Pendulum. Ah si, c'est cool.
Moi je le prends, voilà. C'est pas perdu. Envoie le coffre pour voir s'il y a des trucs intéressants. Des munitions, ouais, non. Pas l'air d'avoir des trucs intéressants. Encore un coffre. Ok. Ensuite. Alors en fait, il y a longtemps, il y a quelques jours, j'y ai joué. J'avais une crevasse comme ça, j'avais vraiment peur d'y aller. Parce que je savais pas trop ce que c'était, j'avais peur de... Parce qu'en fait, comme j'ai pas mal de clés sur moi, et je sais pas si le fait de tomber dans ce genre de trou, ça, franchement, ça donne pas envie d'y aller. C'est un coup en plus à tout perdre, franchement, ça donne pas envie. Et en fait, tout à l'heure, je l'ai su, enfin, j'ai su seulement en entrant dedans. C'est quoi qu'il y a là-haut? C'est bien, j'avais vu un truc. C'est caché. En fait, quand je vais dans la map et que je fais ça, il y a marqué entre dans le void et ici. R c'est ici. Le void c'est une crevasse. Et du coup, je savais pas quand en entrant dedans il y avait le boss. Le nombre de fois où j'étais ici, je savais pas ce que c'était. Du coup, bah, je vais rentrer dedans. Je vais essayer de pas. Je vais pas me faire le boss tout de suite. Je vais attendre. Voir ce qu'il a à me montrer du coup. À part se déplacer, ouais. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ok, il se déplace, ouais. Le problème c'est que si je lui tire dessus, ça me fait la game. Je vous le dis. Ah, il spawn des trucs, ok. Et ça c'est son pouvoir. Wow. Ah ouais c'est chaud. Sans cheat, je peux dire que ça peut être compliqué. Wow. Et ils sont vénères. Wow. Oh bah comme ça. Je savais pas qu'il était dedans en fait. Comme ça. Je récupère ça. Ok, je récupère des petites pierres droite à gauche. Y'a rien d'autre ici. C'est une palissade. Non bah. Franchement c'est. Ça donne envie, il est vraiment cool ce jeu. Oui, ok. Ah je me dis merde si je peux pas y aller. Donc là j'ai gagné 46 000 de Witchfire. J'ai ouvert que 10 coffres sur les 17. J'en ai fait 1 sur 4 events. J'ai tué 4 kills, donc 139 kills, pardon. Puis là, c'est des trucs que je récupère. Là, c'est les recherches que j'ai faites. Je vais aller voir tout de suite les recherches. Voir qu'est-ce que ça me déverrouille. Je pense que c'est fusil à pompe et tout ça. Il faut que je monte là-haut. J'ai l'impression de courir plus vite. C'est bizarre. Donc là, je vais ici, dans les recherches. Je... Oh! Fusée à pompe. Je suis pas contre. Petit sniper, ok, ouais. Après, je peux encore... je sais pas quoi, ça... Long range. Ça, c'est toujours pareil, en fait. J'ai l'impression que ça améliore pas spécialement. C'est toujours la même recherche. Ça je peux pas faire parce que j'ai pas assez de... Si là je peux faire... Je pense que j'essaie de faire les deux là. Ok, on verra ce que ça fait. Ensuite, on va se rendre à la munition. Là, je peux choisir les... Bon, ça se fait que... Ça c'est le troisième. J'ai que ça. Ah oui, ok. Ok, c'est uniquement le troisième. Oh, c'est cool ça. Auto rifle. J'aurais dû essayer celui-là. Voir comment ça fait. Et je vais essayer un autre. Voir la... comment ça fait du coup à tirer dessus. On va essayer ça. Oh, et... Suffit de la pompe. Et l'autre. Ah ouais.
ça peut être bien ça. Ah, j'essaye après. J'essaierai de faire une autre game, je sais pas, en vidéo ou pas, je sais pas. Voir comment ça, ça rend. Là, c'est une troisième et c'est unique. Ok. Donc là, et je vais essayer celui-là. C'est quoi? C'est ici. Ah, il y a peut-être un peu mieux du coup. Ok, je peux tirer plusieurs fois d'un coup. Ah ouais, il est vraiment cool. Bon, je vais essayer. Ouais, j'essaye celui-ci puis un autre. Mais pas en instant kill. En one shot. Je pense j'enlèverai mon cheat one shot, le instant kill, et comme ça j'essaierai juste de rentrer dessus pour voir ce que ça fait. Ouais, j'essaye. Bon bah je vous laisse avec ces images, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!